Aujourd'hui, pour Sur la route des golfs, on s'en va découvrir le club de golf Cité des Lacs, un parcours de 12 trous qui est situé à Bromont. Et pour nous en dire davantage, on va aller voir François Beaudoin, directeur du club de golf. En 1998, qui a été fondé. OK. Daniel Jeté et Lise Pinard ont acheté le club de golf en 2014. OK. Puis en 2018, ils l'ont transformé en 12 trous afin avec le développement immobilier. OK. Parlons un peu, François, des installations que vous avez ici au Golf Cité des Lacs. Oui. Tu me parlais de ton champ de pratique sur le gazon, c'est ça? Exactement. Tout ce que vous voyez, c'est vraiment du gazon naturel. Il n'y a pas de gazon synthétique pour la pratique. C'est très, très apprécié des golfeurs. Ouais. On s'assure aussi d'avoir une belle qualité de gazon. On change régulièrement les endroits où on peut frapper les balles. C'est important. Puis comme vous voyez, c'est un endroit quand même assez... C'est vaste. Quand même assez joli et, oui. Et vaste. Fait que notre champ de pratique est très populaire. Puis le golfeur doit s'attendre à quoi quand il vient ici? C'est un parcours comme ça qui est assez court? Oui, mais il y en a pour tous les goûts. Tu as quand même des par 4, des par 3. Il y a un par 5 quand tu joues des bleu. Puis j'imagine qu'il y a des lacs, il y a de l'eau en jeu. C'est des lacs. Ça s'appelle. Hein? Ça porte bien son nom? La Cité des Lacs. Okay. Effectivement, ça porte bien son nom. Donc la précision, elle doit être de mise sur certains coups, c'est ça? La précision est de mise. Vous allez voir, là, le trou numéro 1, trou numéro 2, il y a beaucoup d'eau là, en jeu, notamment le trou numéro 1 à gauche. Trou numéro 2, un petit peu moins, mais c'est lui qu'on va essayer tout à l'heure. C'est un par 3. Assez le fun. D'accord. Bon, bien, on s'en va au trou numéro, on a dit, lequel qu'on fait? On va faire le numéro 2. Le numéro 2. On s'en va là directement. On va prendre la voie vers le numéro 1, puis on va se diriger au... Puis ici, les golfeurs nomades sont les bienvenus. Hein, c'est pas réservé aux membres, c'est un golfeur qui est public. Il y a des membres, mais effectivement, c'est possible de réserver 7 jours par semaine. Il y a des tarifs tôt le matin, en fin de journée. Puis des forfaits flexi-golf. C'est des lacs, c'est un parcours de 12 trous. Effectivement, 12 trous, il n'y en a pas d'autres au Québec. C'est une particularité et ça fait notre force, je crois. En jouant 12 trous, tu peux jouer plus rapidement qu'un 18 trous. C'est un autre défi complètement. Tout à fait. Ça fait vraiment un œuf qui est différent dans le marché. Exact. En étant les seuls au Québec. Plus que 9 trous, ben oui, c'est moins ça. Que 18, ben tu as 12 trous. Si on est au trou numéro 2. Exactement. C'est une petite normale 3. Ben, je dis petite. Je pense qu'il y a une des longues normales 3 ici c'est, que vous avez. Des bleus, ça va. 170 verges. Les blancs, environ 150. Et du côté des rouges, environ 125. Là, Puis dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce parcours, ce trou-ci? Ben, c'est un trou qui est quand même pas facile. Qu'on voit, oui. Faut quand même survoler le lac avec la vision que ça nous donne. Ça, le verre est incliné, Vers quand même assez vaste. T'as-tu une stratégie pour le jouer ici? Faut-tu tomber à droite pour La réponse vaut mieux être plus long à droite que trop court à gauche. Ouais. Ça, c'est sûr. Le sapin est là. Effectivement. Super. Eh bien, on va aller jouer ça? Oui, on va essayer d'aller jouer ça. On ça joue va des être le fun. Oh, c'est mauvais. Ah ouais, pas un kick. Non, ça va être court. Wow! C'était joli! Oh, effleuré! Hey! Ça a été une expérience! C'est une expérience incroyable! Mais on ne dit pas trop de ça! Ah, les gars! Merci d'avoir pris du temps avec nous. Merci. C'est pas un professionnel de golf, t'es un directeur général, directeur on est un amateur général. De golf. On voit que le golf, c'est pour les passionnés. Des fois, on manque des coups, mais le plaisir, c'est le plaisir de jouer. On n'a pas eu le temps de se pratiquer. Merci François. C'est bon, merci. Puis, il est capable de venir ici. C'est bon. La Cité des Lacs. Parcours de 12 trous, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une distance assez courte. Comme là, vous me voyez avec un fer 8, c'est un par 4. Mais les allées sont assez étroites. Alors, ma stratégie d'aujourd'hui ne sera pas de prendre mon driver. Ni encore moins mon bois 7, ça va être de viser le piquet du 100 verges pour essayer d'atteindre la normale, ce qui est l'objectif au golf. Particularité ici au golf Cité des Lacs, c'est l'aménagement paysager. Les propriétaires, monsieur et madame Jeté, mettent beaucoup d'amour et veulent mettre beaucoup d'amour et d'investissement dans la beauté du paysage et je crois que ça donne tout qu'un look.
Voyez-vous, même avec un fer 8, je suis même pas dans l'allée. La morale de l'histoire, même si on n'est pas allé en régulation, pas faire en régulation, on peut faire le pas. J'avais dit que je sortirais pas de bois. C'est un hybride, pas si pire. Au sans-verge, piquette du sans-verge, c'est notre chemin aujourd'hui. Le chemin, pas le chemin de Compostelle, pas le chemin pour le rhum, mais peut-être le chemin pour le bordé. C'est une belle découverte pour nous. C'est la première fois que je joue un parcours de 12 trous. C'est très agréable, je dois vous dire, de pouvoir pratiquer des coups qu'on ne joue pas souvent. Souvent, on sort toujours nos drivers sur les terres de départ. Ben, ici, la stratégie, c'est de viser le piquet du sans-verge, comme je vous ai déjà dit. Et là, ça marche. Fait départ. C'est peut-être comme ça qu'on devrait voir le golf aussi. On veut toujours sortir des coups de notre chapeau. Parce que plus souvent qu'autrement, moi, mon coup, il sort pas de mon chapeau. Il reste dans ma tête. Partie. Rendu au 12e, on dit là, on est prêt pour une bonne. Yes! Quelle belle manière de finir une partie de golf. Un beau birdie, mais surtout un très beau terrain de golf à venir découvrir. Un parcours de 12 trous, ça s'insère super bien dans une journée. Super agréable à jouer des normales 3, normales 4, normales 5. Très belle qualité de gazon. Les verts sont vraiment réceptifs. Aménagement paysager, comme j'ai dit, A1. Maintenant, on vous montre qu'est-ce qu'il y a à faire après votre partie, selon nos coups de cœur pour Sur la route des golfs. La chose qui est à se rappeler, c'est que la Cité des Lacs, c'est un domaine résidentiel privé, mais un parcours de golf public. Parce que le café, c'est la vie. Un arrêt café ici sur la rue Shefford, N Latte. Le café est torréfié ici. Excellent, des bons sandwichs et également des produits de vin, de vignoble bio. Ça a l'air décadent à venir découvrir la petite boutique gourmande. La microbrasserie West Shepherd vous offre des bières de saison, mais des bières régulières avec un menu grignotine. Mais à côté, vous avez le Edgar Hyperloge qui vous offre un super bel après-golf. Cheers! Délicieux cocktail, restaurant Babar, cuisine d'inspiration libanaise, méditerranéenne. À date, c'est un coup de cœur. J'espère que vous avez apprécié découvrir le club de golf Cité des Lacs avec FlexiGolf et que vous avez apprécié découvrir également nos coups de cœur de Sur la route des golfs. Maintenant, c'est à vous de venir découvrir le parcours Cité des Lacs, parcours de 12 trous ici à Bromont. À la prochaine!